comment tu t'appelles? Je m'appelle Laure. Ça va, Laure? T'es ouf. Quel âge tu as? J'ai 17 ans. Oh, voyez pas tourner, tourner. C'est impossible. C'est pas... Elle a fait des trucs et j'ai pas compris. Non, quoi. C'est vrai. Et c'est en plus, vrai. Je t'avais bloqué. Ah, faut pas me bloquer. Oh. C'est ton karma, t'es gentil. Même quand tu veux être méchant, ça marche pas. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est parce que, je te dis la vérité, nous on appelle ce genre de chansons les attrape-coach. Parce que c'est des chansons qu'en général... On entend tout de suite, on a envie. Et toi, tu es arrivé, mais on était là en fait, on s'est dit, mais non, on peut pas passer à côté. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'ai attendu aussi très tard. C'est une de mes chansons préférées. On sent dans votre voix, et chose que n'avait absolument pas Whitney Houston, une espèce de voix de gorge sur certaines notes arrivées comme ça. Et moi, c'est ça qui m'a plu le plus. Je trouve ça gonflé et super bien. Vous avez très très bien chanté cette chanson. Yes. Moi aussi, je suis extrêmement fan de cette période de Whitney. Je chantais, je me rappelle, sur ses disques pour tenter de faire comme elle. Et oui, elle m'a initiée au chant. Et pour le coup, j'ai eu la sensation, pardonne-moi, je ne veux pas être blessante aucunement, parce que tu as une vraie belle voix, que tu chantais un petit peu trop sur le disque. Du coup, j'ai eu du mal à comprendre la personnalité que tu avais et le message que tu avais envie de nous faire passer. Et j'espère te réentendre, mais... Je te réentends, toi. Voilà. Je comprends. Et bientôt, ils vont m'entendre. Salut. Salut. Alors, je vais te dire ce que je pense, même si je risque de te perdre. T'as trop chanté. T'as chanté comme si tu te défendais. Et c'est pas la guerre, ici. On ne se défend pas. On chante, mais il faut suivre l'émotion. Et toi, tu suivais pas l'émotion. C'était comme si l'émotion elle cherchait à courir après ta voix. T'as 17 ans, et c'est clair que tu as un énorme talent. Il ne faut pas lancer ta voix avant ton cœur. Tu l'as dit, c'était jeune. Mais en même temps, il y avait des petits moments où j'ai entendu la jeunesse. Et je me suis dit, en réorganisant les intentions et les ambitions, eh ben, ça pourrait tout changer. Merci beaucoup. J'entends ce que dit Mika, parce que vous avez voulu, malgré tout, faire un exploit vocal. Vous avez voulu nous charmer comme ça, nous attraper comme ça, mais je prétends que vous y êtes arrivé quand même. Voilà. Merci. J'imagine que je dois choisir. Exactement, il va falloir que tu choisisses. Déjà, je vous remercie de vous être retournée, ça me touche énormément. Tout ce que vous avez dit, ça me va droit au cœur. Et je pense que je veux aller plus loin dans mes prestations, etc. Et ce qui me touche j'espère au cœur, c'est trop long. Sens. Et j'avoue que ce soir, j'ai un peu manqué de sens, mais Mika, tu ne perds pas en disant ça, donc je pense que je vais aller dans ton équipe. Bah, pas de surprendre.